Bonjour, aujourd'hui je voudrais, comme je l'avais annoncé, analyser en quoi consiste la violence des riches. On accuse le mouvement des Gilets jaunes d'être violent, de provoquer des dégâts. Et je pense que, comme l'avait très très bien expliqué un livre sur lequel je vais m'appuyer, La violence des riches, de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. La violence fondamentale dans notre société vient de cette petite minorité. Et on va analyser comment ça se passe aujourd'hui. On va voir ensuite un exemple de manipulation de censure qui est en train de se préparer à la télévision, sur laquelle je voudrais vous alerter. Et. Il y a un livre très intéressant, bon, un peu impressionnant, une grosse brique euh, Thomas Piketty, le capital au 21e siècle. Bien, mais en parcourant euh, les passages ça se lit, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de stats, mais c'est très utile. Et il y a quelque chose de très intéressant qui se trouve page 701. <laughs> Pardon, entre 1900 et 2010, la fortune de Bill Gates, fondateur de Microsoft, incarnation de la fortune des nouveaux entrepreneurs, est passée de 4 milliards de dollars à 50 milliards en 20 ans. Dans le même temps, dit Piketty, la fortune de Lilia Betancourt, héritière de L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques fondé par son père, est passée, dit-il, de 2 milliards à 25 milliards. Bien. Donc ils ont progressé tous les deux exactement de la même façon. Autrement dit, explique Piketty, Liliane Bettencourt, qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie, ça n'a pas empêché que sa fortune progresse exactement aussi vite que celle de Bill Gates, un inventeur, un entrepreneur, et d'ailleurs, dit Piketty, la fortune de Bill Gates aujourd'hui continue à augmenter tout autant, bien qu'il ne travaille plus. Et donc il explique, Piketty, que, en fait, une fois qu'il y a une fortune de base, par sa dynamique propre, elle continue à s'enrichir, la boule de neige continue toute seule. Et il dit, ce n'est pas nouveau, il fait une référence historique à Balzac qui avait décrit la bourgeoisie montante au début du 19e. Et Balzac écrivait, je cite, le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. Donc là, on est au cœur du, du problème. C'est que c'est pas le travail qui crée la richesse, c'est le fait d'avoir une richesse. On va analyser d'où elle vient qui vous met en position d'extorquer de encore plus de richesses partout et d'augmenter votre fortune. Et d'ailleurs, Piketty, il y a des statistiques, des tableaux, des stats très intéressantes, qui dit, voilà, le plus difficile, c'est de repérer les fortunes héritées, les fortunes par héritage, parce qu'elles sont souvent placées dans des portefeuilles diversifiés. C'est plus facile, euh, c'est plus difficile de les repérer qu'un nouvel entrepreneur comme Zuckerberg, Facebook, etc., qui a créé une entreprise et on la voit naître. Euh, voilà qui est un point très très important. Parce que, qu'est-ce qu'on nous a toujours dit On nous a dit Réjouissez-vous qu'il y a des riches. Grâce aux riches, vous allez pouvoir recevoir un petit peu, parce qu'ils vont investir ils vont dépenser. Ça, on a vu la fois passée que ce n'était pas très sérieux comme raisonnement. Mais quand on, on essaye de nous expliquer d'où vient la richesse, on nous dit bah, c'est parce qu'ils sont plus malins ou parce qu'ils sont plus courageux. Votre ancien président, là, qui disait l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme s'il si suffisait de se lever à 5 heures du matin pour euh, avoir. Euh, un boulot, une profession et un niveau de vie correct. Tous ceux qui se lèvent à 5h du matin, voire plus tôt, peuvent dire que c'est plutôt le contraire. Ou alors on dit, ben, c'est qu'il y a eu de la chance, il ne faut pas chercher à comprendre. Et dans le genre Sarkozy, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y a évidemment Macron, dans, en disant à un chômeur, ben, moi je vous traverse la rue et je vous trouve un boulot, avec l'arrogance habituelle des gens qui ont déjà trouvé le boulot tout près dans leur berceau avec les cadeaux de papa et maman. Et, et donc, en fait, ce que Piketty nous montre, c'est que la fortune ne vient absolument pas du travail ou de l'intelligence ou du courage. Et d'où elle vient alors c'est quelque chose que j'ai essayé d'analyser dans le livre Pourquoi Soral Séduit, mon analyse du système capitaliste en fait. Je ne vais pas développer euh, énormément sur ce point-là, c'est un point qu'il faut étudier, qu'il faut creuser, je le fais dans, dans le bouquin. Mais l'essentiel, c'est que la richesse vient du travail non payé. Un ouvrier rentre à l'usine le matin. Il ressort le soir, il a son salaire, il a de quoi, et encore, si tout va bien, euh, nourrir ses enfants, payer sa maison, sa voiture, éventuellement un petit extra, et revenir le lendemain. Mais il s'est pas enrichi, alors que pourtant, dans l'usine, il a beaucoup produit. Et là, je prends le cas de l'ouvrier en usine, mais dans le livre, je montre aussi qu'il y a énormément d'ouvriers déguisés, énormément de travailleurs qui sont soi-disant des indépendants, des techniciens, etc., mais qui en réalité sont des ouvriers dont on prend aussi, on est travailleurs, dont on prend aussi euh, une richesse créée. La, la richesse qui a été créée par euh, le travailleur part dans d'autres poches, et c'est ça que j'explique dans le livre, je ne vais pas développer maintenant. Marx, évidemment, avait analysé ça euh, très bien, et c'est très, très important qu'il avait percé à jour le secret du fait que... Euh, le travailleur va à l'usine et ne s'enrichit pas, même le contraire parfois, et euh, celui qui ne va pas à l'usine, comme Liliane de s'enrichit sur son travail. Et en fait, si on regarde concrètement, je ne vais pas faire la théorie aujourd'hui, mais ce serait important, si on regarde concrètement, on le voit dans des exemples que j'ai analysés dans ce livre, par exemple, Arnaud, là, l'homme le plus riche de France, j'avais analysé que, ben, en fait, il a hérité. Il a hérité de l'entreprise paternelle de travaux publics en 1976. Il a juste conservé 20 emplois sur 1000 et il a réutilisé cette position pour faire main basse sur d'autres entreprises. Et en fait, il n'est pas devenu hyper riche par hasard. Il a acheté le groupe de produits de luxe LVMH, Louis Vuitton, etc., Champagne, tout le luxe français. Il avait reçu 750 millions de francs français de l'État en jurant de conserver l'emploi, mais en fait, il a revendu tout ce qu'il avait pris. Il a juste gardé les beaux morceaux et il a fait le contraire de sauver l'emploi. Il en a détruit. Arnaud, s'il est riche, ce pas par hasard, c'est qu'il impose des très bas salaires. Par exemple, les ouvrières de la commerciale de Maroquinerie, qui font les fameux sacs Louis Vuitton, sont payées 1400 euros pour fabriquer des sacs qui vont être revendus à des prix incroyables. De même, et il a beaucoup de marques de champagne dans son portefeuille. Il y a 9% du coût de la bouteille de champagne qui va aux ouvriers qui l'ont produit. Le reste, c'est dans la commercialisation, les bénéfices, etc. Il impose systématiquement dans ses entreprises des temps partiels. Il vend une veste Kenzo à 1000 euros et il paye les ouvriers qui la fabriquaient à l'époque à Valenciennes 80 euros sur par veste. Et donc, il a. Délocaliser encore sa production, encore plus. Ça a été très bien monté d'avoir le beau film Merci patron de François Ruffin. Et donc, il a carrément jeté 147 ouvrières à la rue pour aller gagner un peu plus en exploitant des gens un peu plus loin. Grâce à ça, la fortune de Arnaud, j'avais calculé ça à l'époque, 2012-2015, augmente d'un demi-million par heure. Donc, des travailleurs qui sont payés très mal dans des conditions très dures, sa fortune gain, augmente de 1,5 million par heure. Bien entendu, il a 46 filiales dans des paradis fiscaux. Il a réussi comme ça à diminuer les droits de succession de son groupe de 45% à 6,5%. Et il est très fier. Quand il a fermé à Valenciennes, il a dit que ben, les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes et ont acquis la capacité de jouer la concurrence entre les États, la concurrence entre les travailleurs, c'est-à-dire profiter de sa fortune. Pour faire chanter les gens et leur dire voilà, vous allez travailler à presque rien du tout. Et c'est euh, voilà, euh, ça en fait. J'avais aussi analysé Mulier, les grands magasins Auchan, grande fortune de France. Le salaire d'une caissière d'hypermarché avec 30 ans d'ancienneté, c'est 10,60 euros. Et euh, grâce à ça, Gérard Mulier, patron d'Auchan, possède 23 milliards d'euros soit 1687, 207, 1 687,207 1 million années de smic c'est sa fortune bien entendu il a fui en Belgique pour payer moins et en 2014, il a en 2014 pardon il a payé 135 euros d'impôt sur le revenu ça va hein euh, par contre il a licencié une tour, à Tourcoing en 2017 une caissière parce qu'elle n'avait pas vu une cliente qui euh, euh, sortait ou oubli, avait oublié de scanner un pot de sauce tomate à 80 centimes. Il a licencié la caissière pour ça. Et heureusement, les syndicats et les clients sont mobilisés. Et la caissière a été réintégrée. Au, au champ, à famille Mulier, c'est 10% de ce que vous dépensez euh, en alimentation et en équipement euh, par an. Ça va dans ces caisses. Voilà. Il y a des exemples sur euh, euh, Bettencourt aussi. Mais bon, ce que j'en ai tiré, c'est que le système capitaliste est basé sur des lois économiques très simples et en faute, pour comprendre le système, il faut répondre à trois questions qui possède, qui dirige et qui profite. Et justement, la fortune héritée, les euh, fortunes qui se transmettent père en fils et qui se transmettent au sein de l'élite sans qu'il n'y ait absolument rien de démocratique là-dedans, place ces gens en position de décider qu'est-ce qu'on va produire ou combien les gens vont être payés, à qui on va vendre et où vont aller les bénéfices. Et donc, qui profite, ça dépend de ça. Les bénéfices dépendent vraiment de cette position dominante dans, dans la propriété euh, des grands moyens de production, de commerce, etc. Il y a en fait un ensemble de méthodes qui permettent à cette élite du 1% de... augmenter sans cesse leur fortune et ils pratiquent systématiquement cette méthode. Vous pourriez vous dire, bah, ils en ont déjà des milliards, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent encore à nous piquer quelques euros On va parler de ça, mais d'abord on voit les, les méthodes. La première méthode fondamentale, c'est baisser les salaires. Et pour ça, l'importation de travailleurs immigrés sans droit est très très intéressante. Et il faut savoir. Que en Angleterre, un travailleur illégal dans le bâtiment est payé environ 2 euros, même moins maintenant que la livre a baissé, 2 euros de l'heure. Et donc, un, le Financial Times, un grand journal capitaliste anglais, explique, c'est la migration illégale qui fournit un filon économique uniquement. S'ils vivent sous un autre régime politique, en clair, on importe des immigrés, on fait en sorte qu'ils aient pas de syndicats, qu'ils aient pas de droits, qu'ils aient peur, qu'ils acceptent n'importe quoi, et là, on a des quasi-esclaves. Et ça, ça fait pression sur ceux qui ont des droits, qui sont, qui vivent dans un pays depuis un certain temps, mais qui évidemment sont soumis à ce chantage. Moi, je vois des gens qui travaillent dans la construction et qui n'arrivent pas à suivre parce qu'on importe des immigrés clandestins qui évidemment font une concurrence imbattable. Un, un Donc, baisse systématique des salaires, intensification du travail. J'ai dans ce livre analysé un peu les statistiques de la productivité. En 1960, dans le secteur automobile français, un travailleur produisait 8 voitures par an. En 2013, 25 voitures par an trois fois plus. Évidemment, il ne gagnent pas trois fois plus. Et donc, l'emploi chez Renault a dégringolé, 183 000 salariés en 1975 à 53 000 en 2012. Et le comité des constructeurs automobiles français, c'est intéressant d'aller voir dans les documents où les patrons parlent entre eux, le comité des constructeurs automobiles français a dit, voilà, chaque salarié rapporte à l'entreprise beaucoup plus que ce qu'il gagne. En 2011, un salarié qui recevait 40 000 euros de rémunération par an ajoutait une valeur de 68 000 euros par an, profitant à son patron. Là, on a un indice concret, puisque Marx avait analysé sur le travail non payé. Une autre méthode très importante, c'est de faire travailler les gens plus longtemps, d'augmenter la durée du travail en faisant faire du travail à domicile ou sur le trajet, etc. Et ce système-là, le système de la baisse des salaires, le système de l'intensification des travaux, c'est quelque chose qui a été très fort développé en Allemagne avec un premier ministre socialiste, pourtant en théorie, Schröder, qui a introduit le système qu'on appelait des emplois Hartz 4. Et dans ce système-là, des travailleurs, leur salaire était baissé à 5 euros de l'heure et parfois même 1 euro de l'heure. Ce qui fait qu'en Allemagne, on s'est retrouvé avec 13 millions de pauvres. Dans ma jeunesse, et même il n'y a pas si longtemps, l'Allemagne, c'était le modèle économique, il y avait des salaires élevés, il y avait certains avantages pour les ouvriers obtenus par les syndicats. Et donc, c'était un exemple de, un peu de redistribution des bénéfices. Ça a été complètement détruit justement par ce, cette stratégie de destruction des salaires dirigée par le, le PS euh, Schröder. Et donc, intensifier le travail, travailler plus longtemps. Une autre méthode, c'est la manipulation de, par l'inflation, qui fait que les prix augmentent mais les salaires pas, et donc en fait votre salaire vaut moins qu'avant. La manipulation de l'index, en Belgique ou en France c'est particulier. En fait, on nous dit que la hausse du coût de la vie est en moyenne de 1,3%, mais en réalité elle est plutôt de 2,8%. Alors ça a l'air seulement 1,5%, ce n'est pas grave, mais quand ça se cumule d'année en année, si, ça veut dire qu'il y a un énorme transfert. Des revenus, du travail vers, des revenus du travail, pardon, vers les revenus du capital. Une autre méthode très importante que je ne vais pas décrire ici, mais c'est la destruction de la sécurité sociale, qui est en fait un salaire indirect donné aux gens qui n'ont plus leur travail parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un accident de travail ou parce qu'ils sont à la retraite ou au chômage. Et là, la destruction systématique de la sécurité sociale, c'est évidemment la destruction du salaire indirect et la façon de plonger de plus en plus de gens dans la pauvreté. La dernière méthode est de ne pas payer d'impôts. Les taux d'impôts des sociétés baissent de plus en plus, mais les gouvernements français en Belgique font toutes sortes d'exceptions et de cadeaux pour que les super riches, qui normalement devraient payer beaucoup plus, en réalité, ils ne payent rien. En euh, 2010, par exemple, Total a un bénéfice de 10 milliards d'euros. Elle paye combien d'impôts Zéro. Ainsi euh, comme Albert Frère, le belge qui vient de mourir, là, le milliardaire qui avait pris un très grand contrôle dans la. Finances françaises. En 2014, ces deux holdings ont fait 3 milliards de bénéfices et il a, combien, il a pardon, payé combien d'impôts 152 euros d'impôts. 3 milliards de bénéfices, 152 euros d'impôts grâce au cadeau de ses copains au gouvernement. Sa concierge, elle, payait 4 140 euros honnêtement, comme tous les travailleurs payent leur, leurs impôts. Et donc, voilà, il avait payé 27 fois moins que sa femme de ménage. Et on pourrait euh, multiplier énormément d'exemples. Et donc, toutes ces méthodes d'accumulation de la richesse et de vol en fait de la richesse nous plongent dans une situation euh, plonge les travailleurs européens dans une situation de pauvreté croissante. Euh, la question des gilets jaunes, ça tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une politique euh, systématique néolibérale menée par les gouvernements de tous bords en Angleterre, Guy Buckingham, responsable d'une banque alimentaire pour les pauvres dans la banlieue de Londres, témoigne J'entends de nombreuses personnes raconter que cette semaine, elles ont dû choisir entre manger et se chauffer. Dans l'Europe civilisée et riche. En Belgique, on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et un bel sur 5 est en risque de tomber dans la pauvreté. En Espagne, un enfant sur quatre vit dans ce qu'on appelle la pauvreté extrême. Et un sur six ne reçoit qu'un repas par jour. En France, on tourne autour, s'il faut voir les statistiques, de 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, avec, dans les chiffres que j'avais il y a quelques années, euh, la moitié de ces gens qui doivent vivre avec moins de 780 euros par mois. Comment on fait pour vivre avec ça Et donc, la situation de d'étresse, d'urgence, de révolte, elle s'explique tout à fait et je pense qu'il y a vraiment besoin de comprendre ce phénomène de la violence des riches. Je reviens au livre de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. On va prendre un exemple. Dans la situation catastrophique auquel se trouve une grande partie de la population, ça n'empêche qu'il y a des salaires absolument exorbitants qui sont auto-accordés par les dirigeants des toutes grandes entreprises multinationales qui ont déjà tellement d'argent. Dans le livre de La violence des riches, ils prennent deux, trois exemples. Euh, Jean-Marie Messier indiquait qu'il gagnait 20 millions de francs bruts en 1999. En fait, en bénéficiant de la décision d'un comité de rémunération composé de trois administrateurs, Befa de Saint-Gobain, Thomas de BNP et Arnaud Tientien de LVMH. Mestralet qui était à l'époque PDG de GF Suez gagnait 3 millions d'euros soit 257 000 et des poussières euros par mois, mille euros par mois qui lui avait accordé ce beau salaire. Encore le fameux BEFA, Groupe Saint-Gobain-Bruxelles-Lambert, membre de surveillance du Conseil du journal Le Monde, tiens, tiens. Et Paul Desmarais, un Canadien, Power Corporation, euh, ami d'Albert Frère dont on a parlé, et l'administratrice de la Poste des aéroports de Paris. Carlos Ghosn, le PDG de Renault, là, une rémunération de 3 millions d'euros en 2012, depuis il a fait encore beaucoup mieux, qui la lui donne, euh, Desmarais, président de total, le président de Shimalak, Pelda de groupe Warburg et un autre français. Et donc, en fait, euh, les Pinsons euh, expliquent que les patrons du CAC 40, je cite page 143 dans ce livre, font partie d'un même monde social. 98 administrateurs sur les 445 qui composent les conseils d'administration des sociétés du CAC 40, soit de 22%. Détiennent 43% de vote. Donc vous avez un tout petit nombre de gens, 98 à peine, qui décident ce qu'on fait dans cette société, qui décident qui on va licencier et qui décident d'accorder des millions d'euros par mois à euh, des administrateurs pour faire ce sale travail. C'est euh, très important. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde politique, et là on va y venir, le monde politique, est complice. Vous avez, euh, par exemple, quand on a eu ces rémunérations absolument scandaleuses, et avec la crise, tout le monde s'est dit, il ben, faut faire quelque chose, Pierre Moscovici, qui était d'abord le ministre français soi-disant socialiste de l'économie, euh, a... Ah oui, je vois qu'il n'y a pas le son avec Moscovici, donc je en l'enlève. Euh, Moscovici a tout simplement dit Est-ce qu'on va réguler Est-ce qu'on va limiter un peu ces scandaleuses rémunérations Non, nous préférons miser sur une autorégulation exigeante. 24 mai 2013, dans Les Échos, tiens, journal propriété de Bérard Arnault. Bon, autorégulation exigeante, c'est comme proposer à un requin de manger plutôt des légumes. Et c'est vraiment se moquer du monde. Et. Je crois que c'est ça qu'il faut absolument comprendre, c'est cette élite, ce monde clos qui euh, s'auto-rémunère se, se et, et renouvelle leurs leur privilèges. Il y a un bouquin très intéressant de Geoffrey Goenst, « Pouvoir confondu, État, capital et médias à l'ère de la mondialisation, qui analysait très très bien, euh, la date de 2003, mais c'est vraiment à consulter qui analysait très, très bien la, les liens et la complicité, la corruption, en fait, entre les élites économiques, les élites politiques, même certaines élites médiatiques qui se retrouvent là-dedans. Et il montrait l'analyse de tous les conseils d'administration, l'enchevêtrement. Il montrait comment des politiques et des médias se retrouvent dans des conseils d'administration de très grosses sociétés et donc sont rémunérés pour leur complicité. Et, Bon, c'est un bouquin euh, qui est épuisé depuis longtemps. Et euh, Geoffrey Gohens, qui est un très euh, excellent chercheur liégeois, si euh, tu nous entends, je pense qu'il faudrait trouver le moyen de mettre ça à disposition sur Internet pour que tout le monde puisse le consulter. C'est un bouquin que j'ai énormément utilisé et qui est très, très éclairant. Euh, en fait, euh, Pinson et euh, sa femme. Analyse encore un point très important, c'est l'importance des banques d'affaires dans euh, le fonctionnement de ce système et les banques d'affaires au cœur du pouvoir. Il montre que François Hollande, quand il a été élu euh, président, a choisi un associé gérant de la banque Rothschild, Emmanuel Macron, tiens tiens, comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Page 116. L'histoire politique, écrivent les auteurs de notre pays, bégaye puisque en 2017 Nicolas Sarkozy avait lui nommé François Perrol, lui aussi associé gérant de la banque Rothschild. Et donc il cite l'enthousiasme de Stéphane Richard PDG de France Télécom qui explique Emmanuel Macron est notre relais, notre porte d'entrée auprès du président. C'est vraiment le lobbying, je l'ai vu, dit-il, à l'œuvre chez Rothschild, il va rassurer tout le monde. Il veut dire euh, le grand patronat, bien sûr, sur la continuation de leurs privilèges. Et donc, en fait, il y a deux grandes banques françaises, encore plus concentrées en France qu'ailleurs, qui ont un pouvoir énorme c'est Lazare et c'est Rothschild. Et elles finissent, disent l'auteur, par être des ministères bis de l'industrie et de l'économie elles organisent les privatisations, elles décident. En fait, moi, je crois qu'on doit, on doit carrément dire que ces banques sont le ministère de l'économie et ce qui est à Bercy, le ministère de l'économie, c'est la façade, la décoration, c'est les exécutants. En fait, je crois que on doit bien voir que un président de la République et ses ministres, c'est des employés. Vous voyez ici Macron avec... Les grandes villes du 440 et Bernard Arnault. Et on doit bien se rendre compte que ce sont des employés. En France, comme aux États-Unis et ailleurs, ils sont placés là par l'élite économique pour faire une mission. Et donc, les Gilets jaunes ont tout à fait raison de dire que pas le problème que Macron. Euh, ne comprend pas, il ne veut pas comprendre parce qu'il n'est pas placé là pour comprendre, il est placé là pour appliquer le vol des richesses, le transfert des richesses vers, euh, vers les, les caisses du 1%. Euh, la Banque Lazare, c'est très important. Il y a quelques années, on avait eu en France une euh, émission présentée par Arditi avec un écrivain qui s'appelle Orsena et euh, quelqu'un qui était présenté comme un expert économique, j'ai oublié son nom, j'avais réfuté cette émission, euh, c'était une émission sur la crise avec Artiti, j'ai oublié le titre, euh, et j'avais montré que ce qu'on oubliait de nous dire, c'est que l'expert interrogé avec servilité par Pierre Arditi pour nous expliquer la crise était justement un expert de la Banque Lazare, responsable de toutes les politiques d'appauvrissement des gens, et donc on est un peu dans la boucle euh, au niveau de ces euh, médias et de la manière de fonctionner. En fait, on n'est pas là avec des présidents qui devraient essayer de comprendre. On est là, en fait, avec un système. Qui essayent absolument de se mettre en place, de se maintenir, de faire le gros dos et de ne pas, de ne pas céder, ou de céder le moins possible, et ils ne céderont que par la lutte. Je regarde. Oui. Alors, au niveau de la manière dont tout ça est couvert dans l'actualité, j'ai une ou deux remarques importantes. La première, c'est que malheureusement dans les médias dominants tout ceci est tabou. Il faut cacher le fait que si les gilets jaunes, une grande partie de la population sont confrontés à ce problème de la pauvreté et de l'injustice, c'est qu'il y a des responsables très précis qui ne veulent pas que ça change. Qu'on est tout simplement dans une lutte entre le 1% et la grande majorité. Et là, Comment fonctionnent les médias par rapport à ça ben, Je vais vous donner un exemple que je viens de vivre moi-même en direct euh, hier. Je vous lis dans mes courriers, la reçu un appel téléphonique, puis j'ai dit envoyez-moi un mail, de, ben, je ne vais pas dire son nom, c'est un assistant de la production, Yves. Je travaille pour l'émission C'est politique diffusée sur France 5. Pour la semaine prochaine, nous préparons un sujet consacré à Étienne Chouard. En consultant, me dit-il, votre chaîne YouTube, je suis tombé sur une de vos vidéos avec Étienne Chouard. On aimerait, c'est la vidéo que vous avez eu l'occasion de voir précédemment, où je lui ai donné la parole, sur le RIC euh, et sur tout le mouvement des Gilets jaunes, on aimerait, dit-il, utiliser un extrait de cette vidéo où il apparaît en créditant Michel Colomb ou Investigation. Pour moins d'une minute, et autorisez-vous une diffusion. Alors vous vous dites « Bon, ça, c'est sympa. Pourquoi pas ?» Et puis euh, au téléphone, il n'avait pas bien entendu quelle émission. « C'est politique. » Ah, tiens, là, un petit souvenir un petit peu délicat. Et donc je lui réponds « Je désire connaître d'abord le scénario de l'émission et le ton adopté à l'égard de Chouard et de moi-même. Comptez-vous nous inviter dans le débat si c'est pour argumenter une attaque unilatérale et de mauvaise foi, ma réponse sera négative, donc je ne donne pas mes images, même s'ils paye. Réponse, je comprends tout à fait. Je ne sais pas encore le parti pris des journalistes. Curieuse. Je vous en dis plus demain. De ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière, ils envisagent de faire un portrait d'Étienne Chouard et de discuter du RIC. Si possible, il sera présent pour un débat. Ce ne sera pas un procès à charge ou autre. Ouais, ça, sympa. Si une fois on lui donne la parole et l'occasion de se défendre correctement, pourquoi pas Alors je veux bien donner mes images. Bien. Euh, une heure plus tard, il semblerait que le portrait d'Étienne Chouard aura pour angle comment celui-ci est devenu une figure phare du mouvement des jaunes avec le RIC. Bon, ça c'est une phrase creuse, ça ne veut rien dire. Il ne sera pas invité en plateau. Ah, on ne va pas lui donner la parole. Donc on va l'attaquer, mais il ne pourra pas se défendre. Le portrait se dessinera concrètement au cours de la semaine. Allez, ça veut dire que vous êtes en train de faire une émission, mais vous n'avez pas encore ce que vous allez dire. Vous me prenez pour des crétins, Je comprends tout à fait si vous refusez qu'on utilise un extrait de votre vidéo. Ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission qui aura lieu la semaine prochaine On va attaquer Chouard. On va répéter les mensonges le soir, il est « Chouard, il est proche d'Alain Soral, il soutient Soral, il est proche de l'extrême droite ». On donnera pas la parole à la défense de l'émission d'une heure que j'ai faite avec lui. On va pas prendre un extrait où il réfute cet argument idiot des médias et il dit des bâtons sur le fond. On va juste utiliser les images pour essayer de dire, ben on va encore en rajouter une couche. On va dire et en plus, soit il est copain avec colomb et colomb c'est un complotiste, c'est un antisémite, c'est un ami des dictateurs, c'est à dire exactement le contraire de tout ce que j'écris dans mes livres et dans mes euh, articles et dans mes vidéos, mais ça, on ne nous donnera pas la parole pour nous euh, défendre. Et donc, l'organisateur de ça, ça il s'appelle euh, Rissouli dans ses politiques. C'est une émission qui est produite par le groupe Lagardère, un des hommes les plus riches de France. C'est une émission euh, qui est vraiment le reflet du 1%. Il n'y a pas de vrai débat là-dedans. Et j'ai déjà été diabolisé par euh, ce Rissouli. Et j'en avais fait une vidéo dont je vous donne ici la référence. Si vous cherchez sur Internet, montrez ça dans toutes les écoles. Euh, C'est une petite vidéo de 7 minutes où je montre les manipulations qui ont été faites pour me noircir et me diaboliser. Donc, si je me trompe, M. Rissouli, ben, écrivez-moi au plus vite. Si vous êtes d'accord de faire un débat contradictoire et de donner la parole aux deux camps, je m'en excuserai et euh, informer le public rapidement. Mais pour le moment, vous comprendrez que je suis très méfiant. Vous, vous avez déjà menti à mon sujet, vous m'avez diabolisé il y a un an ou deux, je ne sais plus. Là, vous essayez d'avoir des images pour illustrer de nouveau une attaque. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande. Est-ce qu'on vous paye très bien pour ça Ça, c'est en tout cas pas du journalisme. Bien. J'ai encore deux petites remarques. Je vais regarder un peu dans le courrier, si, euh, dans les réactions, s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Il roule, le capitalisme arme, ou le capitaliste tire profit de la force de production de l'humain. Oui, tout à fait. Beaucoup de remarques intéressantes, je répondrai un peu plus autour. Que pensez-vous d'Amazon avec l'expérience des magasins sans caisse ni personnel Oui, c'est un exemple de toutes ces entreprises modernes qui, il faut pas dire qu'il n'y a plus de personnel, en fait, il y en aura toujours, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans des machines pour faire en sorte que chaque ouvrier, très mal payé et dans des conditions terribles, Amazon ça, il y a eu, ça a été bien documenté, que chaque ouvrier rapporte le plus possible à son patron, qui est un des hommes les plus riches du monde. Donc effectivement, c'est le genre d'exemple de hyperexploitation exploitation, euh, voilà. Et Amazon, il faut essayer de l'éviter. Je vous mentionnerai à la fin de notre vidéo, je vous recommanderai, vous suggérerai d'acheter nos, nos livres en direct pour vous former et avoir ça. Euh, Où ça je Avec tout le respect, je ne saisis pas très bien cette analyse de l'enrichissement sur le dos des ouvriers et ce harcèlement systématique du riche. Euh, Bon, je vais essayer de répondre un peu plus. Je renvoie aux pages où j'ai analysé ça, où j'analyse effectivement d'où vient le travail non payé. Euh, C'est quelque chose que je n'ai pas pris aujourd'hui, mais je prendrai peut-être une, une première fois, une prochaine fois. Euh, la politique de migration est voulue pour diminuer le coût du travail afin d'instaurer le chaos. C'est en marche. Euh, oui. Euh, L'exploitation de l'homme par l'homme définit et enrichit une minorité sur le dos d'une majorité. Euh, oui, c'est ça. Voilà, il y a une discussion très intéressante entre plusieurs personnes, donc suivez-la effectivement. Je ne vais pas pouvoir approfondir ça aujourd'hui, mais j'ai encore deux, deux remarques. La première, on est en train de vous diaboliser le peuple du Venezuela. Et le président Maduro, en disant que c'est un dictateur, qu'il y a un autre président, qu'il y a une crise humanitaire, et que donc les États-Unis et la France, etc., qui sont tellement généreux, sont même prêts à faire une intervention militaire pour aider le peuple du Venezuela. Comme c'est touchant. En réalité, si on attaque Maduro, c'est parce que c'est l'anti-Macron. Macron, c'est le président des riches, c'est le président des banquiers. Maduro, c'est le président des ouvriers, c'est le président des pauvres. Et c'est ça que les États-Unis et la France ne pardonnent pas, qu'ils utilisent l'argent du pétrole, comme l'a fait Chavez, pour donner des médecins, des professeurs et du boulot aux gens normaux en utilisant l'argent du pétrole et du gaz. Et il y a eu énormément de progrès sociaux qui ont été réalisés grâce à ça. Énormément de gens sont sortis de la pauvreté, c'est l'anti-Macron. Du coup, on, les États-Unis ont fait un coup d'État militaire en 2002 contre Chavez qui a échoué, un coup d'État avec le sabotage de l'industrie pétrolière en 2003, échoué aussi. Ils ont encore tenté en 2004, puis ils ont fait euh, des barricades de riches et des émeutes pour essayer de provoquer une répression. Maduro n'est pas tombé dans le piège, donc ça a échoué. Et maintenant, régulièrement, ils essayent de nous... Euh, piégé en disant oui, ce n'est pas la démocratie, faites ça. Il y a eu plein d'élections au Venezuela. Il y a eu des élections tout le temps. Maduro a été élu largement président. Tous les observateurs internationaux, y compris le président Carter des États-Unis, ont dit les élections sont parfaitement correctes et euh, la, la procédure est tout à fait bien. C'est à la fois un comptage électronique et un comptage papier. Donc c'est les meilleures garanties, meilleures qu'en Europe. Et donc c'est du bidon quand on vous raconte ça. Euh, Macron il a reçu à l'Élysée la famille d'un certain Lopez qui en réalité est un fasciste, un co-organisateur d'un putsch militaire en 2002 pour essayer de renverser le président démocratiquement élu. Et donc Macron travaille avec des fascistes et avec le 1% des euh, très riches. Les, il travaille avec les Arnaud euh, vénézuéliens, c'est normal. Et donc il faut pas tomber dans le panneau. Je vais probablement consacrer un prochain Michel Midi à, euh, au Venezuela. C'est vraiment une arnaque. Et si on se méfie de l'information qui est donnée sur la situation sociale et la question des riches en France, méfiez-vous tout autant de comment ça se passe à propos du Venezuela. Voilà euh, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Deux euh, conseils. Pour les amis qui habitent en Suisse ou près de la Suisse, Almas et tout ça, nous allons organiser le 11 février un grand débat où je vais interroger Saïd Bouamama, l'auteur du manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes. C'est un livre magnifique qui a vraiment beaucoup d'importance pour faire comprendre le pillage de l'Afrique et sa possible résistance et le besoin de, de notre solidarité. Euh, 11 février, 19h, Université de Genève. Il y a sur l'affiche euh, le contact, vous pouvez nous écrire et faites-le diffuser autour de vous parce qu'évidemment, ce ne sera pas annoncé dans les médias. Ensuite, je vais vous passer une petite animation qui a été présentée sur notre euh, euh, campagne pour développer la maison d'édition. Euh, les livres d'investigation, dont vous voyez certains ici, sont des instruments de lutte pour essayer justement de comprendre, en approfondissant ce que je n'ai pas pu expliquer aujourd'hui, en essayant de comprendre les mécanismes de l'économie, de l'injustice et la fabrication volontaire de la pauvreté par ce système, comment il est organisé, comment il veut se maintenir. Et donc, pour préparer des livres, qui explique euh, ces questions. On a évidemment besoin de beaucoup de travail. Et euh, ceux d'entre vous qui nous suivent savent que j'ai lancé une campagne en décembre pour pouvoir engager le jeune David, euh, qui est euh, le garçon que je vais engager pour préparer les livres et faire ce gros travail et m'aider, et me permettre aussi de me concentrer sur les livres que moi-même je euh, souhaite écrire pour éclairer ces situations. Et donc, la campagne pour engager David a bien marché. On est tout près du but. On a encore deux jours pour le faire. Et voici une petite vidéo que Joël a préparée pour nous et qui vous explique en quoi votre soutien est Ah, un grand merci d'avance. N'hésitez pas à nous écrire pour envoyer vos remarques et vos suggestions. Merci de recommander Michel Midi autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine de combat et de solidarité.